venue à l'exposition Les oubliés de l'histoire, donc dont l'inauguration est aujourd'hui, samedi 18 décembre. Ça va durer jusqu'au 15 janvier, c'est pas sur un toit. Donc c'est une exposition historique, artistique et littéraire, donc autour des femmes dans l'histoire algérienne. Pour le volet historique, on a plus d'une quarantaine de biographies de femmes pour justement représenter un petit peu l'histoire à travers un regard féminin, justement, à travers ces femmes, et puis surtout pour rétablir une inégalité dans le récit historique. Il faut savoir que pendant très longtemps, et c'est universel, les femmes ont été écartées du récit historique. Donc aujourd'hui, on essaye de contribuer modestement à essayer de rétablir cette inégalité. Parce qu'avec ça, on peut aboutir vers le reste, c'est-à-dire toute forme d'inégalité. Ensuite, on a le volet artistique. Le volet artistique qui s'intitule « Les gardiennes du temple ». Donc, c'est toutes ces femmes qui sont dans l'ombre, un peu les artisanes, celles qui transmettent surtout oralement notre culture, notre tradition. Donc, celles qui partagent notre histoire qui est très orale aussi. Donc, voilà. Et puis, le côté littéraire, donc, qui est un livre qui est sorti aujourd'hui. J'attends qu'on me le ramène. Autour de la même thématique, donc, c'est les femmes dans l'histoire algérienne. Il faut savoir que c'est une collection qui prévoit 7 livres de l'histoire de l'Algérie, mais on a tenu à commencer par les femmes, encore une fois, pour rétablir cette inégalité dans le récit historique, pour la mémoire, et pour qu'on puisse avancer justement